Ce titre est en rumeur depuis Mathusalem. Mais ça y est, il arrive. Et lui, c'est la trilogie Mass Effect de retour en édition légendaire qui va nous permettre donc, au printemps 2021, de revivre la légende du commandant Shepard. Alors, chez BioWare, voilà ce qu'ils ont dit. Depuis plusieurs mois, notre équipe dédiée chez BioWare s'évertue à actualiser les textures, les shaders, les effets graphiques et les fonctionnalités techniques de nos trois jeux extraordinaires. Nous ne nous contenterons pas de vous livrer un simple remake des jeux d'origine. Nous allons tout mettre en œuvre pour moderniser l'expérience de jeu qui a fait la renommée de la saga Mass Effect. Résultat, eh bien, les jeux seront remasterisés donc en 4K, ils incluront le contenu solo de base en fait, et les DLC de Mass Effect 1, Mass Effect 2 et Mass Effect 3, ainsi que les armes et les armures et les packs promotionnels. Bref, je vous le disais, le titre est attendu pour le printemps 2021 sur Xbox One, sur PS4, sur PC, avec une compatibilité et des améliorations sur PS5 et Xbox Series X. Et ce n'est pas tout, puisque on a aussi eu la confirmation que il y avait un nouveau Mass Effect qui était en développement, qu'une équipe travaillait vraiment dessus, mais que c'était le début du projet et que donc on a encore un petit peu de temps. D'ailleurs, pour les versions remasterisées, on aura plus d'informations au début d'année 2021. Et oui, il va falloir s'habituer, hein, une année de plus, à la fois si on pouvait éviter, enfin oublier très très rapidement 2020, je pense qu'on serait nombreux à être d'accord.